Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur ce plateau d'eau positive. Je ne peux commencer cet épisode sans vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à partir de vos salons, au Tchad, comme à l'étranger. D'ailleurs, je fais un petit coucou à toutes les communautés Hausa, Kanouri et Peul qui nous suivent depuis le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Aussi, un grand merci à ces chaleureux publics venus ici nous encourager pour l'enregistrement de cette émission dans la grande salle de l'ONAMA. Nous ne pouvons effectivement commencer sans accueillir la copilote de l'émission en positif, Yasmine Dona. Adam l'a souligné, mesdames et messieurs, Eau Positive est l'émission la plus aimée et surtout la plus suivie par les Tchadiens. Merci surtout pour votre fidélité au premier talk show tchadien. Coucou à nos téléspectateurs qui nous suivent de Amchala Wakalaït, Gelendeng, Malangame, Moïsala et Aras Mangaï. Adam, accueillons maintenant nos invités du jour. Hadi Yasmine, nos invités du jour, notre premier invité, on peut dire qu'elle a trouvé sa voie après quelques hésitations dans son cursus. C'est une femme d'affaires qui excelle dans le domaine de l'esthétique et du bien-être. Elle va venir sur le plateau d'eau positive pour partager avec nous ses expériences et aussi des passages importants de sa vie. Accueillons ensemble Madame Mai Lala Lokissam. C'est un ingénieur de formation, enseignant-chercheur à la faculté des sciences exactes et appliquées à l'université de N'Djamena, avec une grande passion pour la culture liée au culte Margaï. Il est sur notre plateau pour nous parler de sa passion et les informations qu'il a pu avoir sur ce culte, jadis présent dans toute la région du Guéra. Accueillons ensemble M. Oumar Dimé Moussa Godi.
Humanisme, gentillesse, affabilité, ce sont les mots par lesquels, à travers lesquels décrivent cette, notre prochaine invitée, ses collègues et collaborateurs. Elle est une pharmacienne spécialisée dans le domaine de la biologie médicale. Elle fait partie des femmes très actives dans la ville de N'Djamena et surtout dans le domaine sanitaire au niveau national. Accueillons ensemble Souraya Zakaria. Travailleuse et très discrète, notre prochaine invitée, mesdames et messieurs, fait partie de ces personnes qu'une fois le contact établi, on découvre toute l'étendue de son amour pour son prochain. Accueillons madame Zahra Dilo. Après l'installation de nos illustres invités, mesdames et messieurs, nous allons accueillir la chroniqueuse d'eau positif, Dame Sarah Ahmad Koulamala. Chaleureux public, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis la maison, soyez une fois de plus les bienvenus dans cette émission positif sur Télécad. Nous remercions l'ensemble de nos invités qui ont fait l'effort d'accepter d'abord notre invitation et de répondre présent. Merci à vous. Yasmine, sans plus tarder, nous allons commencer notre périple avec notre premier invité. Ça sera le tour de Leila Lokissam. Leila, ça va? Ça va très bien. Vous êtes toute belle, hein? Merci. Vous ne savez pas, mais Leila, c'est elle qui maquille tout le staff de positif. Moi, j'ai fait un peu la belle depuis quelques temps, je fuis, mais ça va quand même. Vous êtes toute belle. Merci d'avoir répondu. Leila, vous avez un diplôme en management international et on vous retrouve aujourd'hui entrepreneur dans le domaine de l'esthétique globale, surtout maquillage. Votre place ne devrait plus pas être quelque part dans une multinationale ou en train de faire de la négociation? Ah oui, c'est vrai que ma place devait être là-bas, dans une multinationale peut-être, mais moi, depuis toute petite, j'ai rêvé d'avoir un empire que je vais gérer moi-même. Et j'aime faire les choses moi-même et du coup, je me dis que être employé de quelqu'un, ça va vraiment me rabaisser, quoi. Je veux plus, en fait. Mm-hmm. Je rêve d'avoir un empire de 27 entreprises. Au lieu d'aller travailler dans une multinationale, vous voulez avoir votre multinationale. Oui. Bravo. Comment vos parents et votre entourage ont réagi quand, surtout qu'ils ont investi dans votre formation, à cette décision que vous voulez être maquilleuse ou travailler dans le domaine de l'esthétique? Oh, mes parents, Dieu merci, c'est des personnes très compréhensibles. Et quand je leur ai dit que voilà, je voudrais commencer à maquiller et tout, mes parents m'ont encouragé. Ils m'ont dit, bon voilà, vas-y. Parce que nous, entre-temps, nous a inculqué l'éducation de finir les cours, aller travailler pour l'État. Mais si aujourd'hui, vous, les jeunes, vous voulez faire plus, être des entrepreneurs, c'est très bien parce qu'on ne devient milliardaire que par l'entrepreneuriat. Vous dites être une femme épanouie hein, et que et surtout heureuse. Comment est né cet amour pour une profession libérale à ce que je vois par rapport aux trois questions précédentes, vous ne rêvez que par un empire et des milliards. Comment est né cet amour-là? Alors, depuis toute petite, je suivais beaucoup à la télé des grands hommes qui sont des milliardaires, des femmes, Angela Merkel. Je disais toujours à mon papa, j'ai dit, mais j'aimerais être une grande femme comme ça un jour, en fait. J'aimerais être une femme de décision qui dit ça, il faut faire ça comme ci, comme ça. Du coup, je veux être milliardaire.
Il a dit, il n'y a pas de souci, vas-y. Mon papa, il est très compréhensif, il m'a toujours encouragée. Et quand j'ai fini mes études en management, alors je surfais souvent sur les réseaux. Je voyais qu'il y avait des dames qui excellaient dans le milieu du maquillage, qui faisaient des formations partout dans le monde. Elles étaient bien, en fait. Mm-hmm. Donc, je me disais, tiens, j'aime aussi me faire belle, j'aime l'esthétique, pourquoi pas essayer ça? Et quand j'ai commencé, voilà, ça a pris, du coup, je me suis carrément noyée dedans. Pour être aujourd'hui une des maquilleuses professionnelles les plus sollicitées à Niamena, vous avez fait une formation où vous avez appris tout seul en regardant d'autres maquilleuses sur les réseaux sociaux? Bien sûr, j'ai eu à faire plusieurs formations. Mmh. Ouais, j'ai eu à faire plusieurs formations au Bénin et au Ghana, ouais, par des dames qui sont très respectées dans le métier. Quand je les voyais, j'étais vraiment époustouflée, quoi. J'ai dit, tiens, et formez-moi aussi. Et elles l'ont fait. Et Dieu merci, ça paye. Est-ce que vous êtes une féministe? Car vous vous définissez entrepreneur consciente. Vous participez dans l'autonomisation de beaucoup de femmes à travers les formations à Niamena. Oh oui, bien sûr. Bon, féministe à ma manière, parce que je ne suis pas dans un mouvement quelconque, mais je participe en formant des jeunes filles. J'ai en ce moment deux jeunes filles que j'aide en fait. Voilà, je les ai aidées, je les ai canalisées. J'ai dit, voilà, si vous ne savez pas quoi faire, moi je vais vous aider. Je leur ai montré aujourd'hui, elles travaillent avec moi, Dieu merci, elles se défendent, sans compter plusieurs autres femmes que j'ai formées qui aujourd'hui ont leur propre salon. Alors c'est une fierté pour moi. Du coup, je peux dire que je suis une féministe. Mmh. Vous affirmez que le métier de make-up ou maquilleuse professionnelle se résume pas seulement en beauté. Quelles sont les autres activités qui sont liées à ces domaines? Alors, autour du make-up, il y a plusieurs. Il y a le maquillage cinéma, effets spéciaux. Il y a le maquillage artistique. Il y a le maquillage gothique. Il y a le maquillage tribal. Pour donner une identité à la tribu. Comme ça, on saura que, telle tribu vient de tel village, telle autre vient d'un autre village. Alors, le maquillage cinéma, c'est pour les effets spéciaux, les fictions. On a besoin des maquilleuses pour les vampires, pour créer, par ouais, exemple. Exactement. Ouais. Les vampires, les extraterrestres, tout ce qui va avec les blessures, et ainsi de suite. Mmh. Donc, il y a tellement... C'est un large univers qu'il faut parcourir. Donc, voilà. D'accord. Et ça marche ici au Tchad parce que nous allons inviter aussi peut-être deux mannequins qui sont maquillés par Léla, s'ils peuvent venir à ce qu'on puisse voir. Est-ce qu'au Tchad aujourd'hui, outre le maquillage beauté, est-ce qu'il y a autre chose? Oh, outre le maquillage beauté, il y a le maquillage cinéma. D'accord. Oui, il y a quelquefois des gens qui viennent au Tchad pour produire des films. Oui. Ouais. Malheureusement, les invités sur le plateau, on n'a pas d'écran pour voir. Ils peuvent vraiment bien se tourner. Alors, décrivez-nous les deux types de maquillage. Ça, si je ne me trompe pas, ça va être tribal. Oui, exactement. Ça, c'est tribal. Uh-huh. Ça représente une tribu. Oui. Si aujourd'hui, nous étions, par exemple, au Nigeria, ils aiment beaucoup se représenter comme ça. Ils auraient reconnu que ça, c'est une tribu de tel. Oui. Alors, celui-là, c'est un maquillage pour film. Voilà, ça représente un sorcier qui a vécu plusieurs années dans une grotte et on l'a ressorti de là avec la force. Du coup, il a encore les traces de blessures et tout, des signes de vieillesse et de sorcellerie. Il n'est pas encore habitué à la vie moderne. Mm-hmm. Ah oui. C'est quoi? C'est un œil qu'il a au milieu, là? C'est pour montrer qu'il est un vrai sorcier. Les coris. Alors ça, c'est artistique? Oui, ça, c'est artistique. Et ça, c'est tribal? Oui. Merci. Merci aux deux mannequins. Hein. Merci beaucoup. On applaudit très, très fort, s'il vous plaît, pour ce travail. Léla, une bonne partie de votre clientèle est constituée des mariés. Il y a autant de mariages que ceci constitue votre cible? Parce que souvent, c'est pour les cérémonies de mariage, pour le maquillage de la jeune mariée, qu'il y a plus de clients. Effectivement, le marché du mariage, il est large et ça va toujours perdurer. Pourquoi? Parce que chaque week-end, les gens se marient. Et ça ne va pas s'arrêter un jour. Quand vous allez pas. Vous marier, on n'espère pas. Pour que vous soyez, vous allez être milliardaire, on n'espère pas que ça s'arrête le mariage. En tout cas, ah, ça, du c'est tout. Clair. Oui. Du tout. Quel type de maquillage le plus sollicité par les mariés aujourd'hui?
Où chaque mariée, elle a un truc unique pour elle qu'elle demande. Elle vous amène souvent des photos, des vidéos, je veux comme celle-ci. Ou bien, voilà, elle vous laisse, voilà. Léla, rends-moi belle. Voilà, il y a certaines mariées qui me laissent la latitude de choisir pour elles. Elle me dit, je te fais confiance, rends-moi belle. Par contre, il y a d'autres, elles vont amener des vidéos. Oh non, je veux ressembler à un tel. Celle-là, le jour de son mariage, il était très apprécié. Je veux être aussi belle comme ça. Donc du coup, moi, je ne fais qu'exécuter ce qu'elle demande. Et ça marche? Oh, ça marche très bien. J'espère que vous ne pouvez pas transformer quelqu'un en une autre personne carrément. Parce qu'on voit dans les vidéos de... On voit dans les vidéos de make-up où souvent, quand les gens se démaquillent, c'est carrément des zombies. Non. Il y a possibilité de transformer une personne, de lui donner le visage d'une autre. Est-ce qu'il a des anecdotes à nous raconter sur les mariés, celles qui vous font faire des demandes bizarres? Effectivement, il y a une anecdote. Il y a une mariée, elle m'a demandé de la maquiller, de faire d'elle une poupée. Elle veut ressembler à une poupée. À une poupée? Oui. Ah oui. Alors, elle m'a même montré la poupée en question. Elle dit, tu la vois? Je veux la ressembler. Une Barbie. Oui, une Barbie. Elle dit, cette poupée-là, elle l'a depuis l'enfance. Elle l'aime tellement. Aujourd'hui, elle veut se marier. Donc, elle veut la ressembler. Et mon prix sera le sien. Terminé. Et ça a marché? Ah, ça a marché. Elle, là, si elle, elle sera milliardaire, elle va faire la chirurgie esthétique, c'est clair. Oui, oui, ça c'est sûr, elle va le faire. On voit que des femmes, que des femmes. Est-ce que dans votre clientèle, il y a aussi des hommes? Oui, il y a des hommes. Il y a des hommes qui sollicitent les services de maquillage, par exemple pour faire des shootings photos. Ah, d'accord. Ouais, ils pensaient que c'est pour aller au bureau ou bien aller saluer la belle-mère. C'est pour des shootings photos, pour leur pré-mariage, tout ça. Et il y a des journalistes, les gars qui veulent faire des clips vidéo, en tout cas, et les mannequins qui veulent monter sur le podium. J'assiste souvent à des fashion week. C'est souvent dans le cadre professionnel. Oui, beaucoup plus. Les hommes quand ils sollicitent le maquillage. Oui, mais pas pour sortir. On va le confondre à autre chose. Quelles sont les tendances aujourd'hui là, en termes de make-up 2023? Alors, les tendances de 2023, c'est un peu plus de couleurs. On demande un peu plus de couleurs. Il faut qu'on ose un peu parce qu'on est beaucoup resté dans le sobre, la sobriété totale et tout. Il faut qu'on ose dans la couleur et un peu du maquillage flashy qui brille. Comme vous voyez là, ça brille. Là, maintenant, laissons de côté et parlons de la vie. Nous avons assez parlé maquillage, make-up, tribal, artistique, flash. Quels sont les faits majeurs qui ont marqué votre vie? Alors, il y a eu mon accident. Quand j'étais plus petite, quand j'avais 8 ans, j'ai connu un accident qui m'a un petit peu handicapée, je dirais, et que je traîne aujourd'hui les séquelles. J'ai été percutée par une moto. Le clandoman en question, il était à 100 à l'heure. Et moi, on était à l'église avec mes frères. Du coup, moi, j'étais très contente parce que mon papa était de retour. Donc, je voulais vraiment rejoindre la maison. Du coup, j'ai lâché leurs mains. J'ai couru. Il m'a percutée. Il m'a projetée. Je suis tombée derrière lui. Et ma robe s'est enroulée sur le rayon, dans le rayon. Et il m'a traînée en voulant fuir. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui veut fuir et quelqu'un derrière. Donc, ça m'a complètement défigurée comme ça. C'est pourquoi je porte beaucoup plus des perruques toujours de ce côté. Et j'ai eu une légère fracture du crâne, ce qui me provoque des céphalées intenses tout le temps. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la cicatrice y est. Et j'ai aussi des céphalées. Et j'ai des problèmes neurologiques parce que des nerfs ont été sectionnés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui regardent? Parce qu'avec les motos, aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des accidents sont causés par les motards et d'autres conducteurs aussi imprudents. C'est-à-dire que les gens filent vraiment, vous dites 100 à l'heure, mais de certains peut-être même plus. Qu'est-ce que vous leur dites? Franchement, j'aimerais leur dire que rien n'urge dans cette vie. Franchement, rien n'urge. Rouler doucement ne veut pas dire que vous n'allez jamais arriver. Vous allez toujours arriver, mais allez doucement, regardez dans les quatre côtés qui vient. Voilà, vous avez... Dieu merci, j'ai été récupérée par mes parents, on m'a soignée. Mais si c'était une personne qui n'avait pas les moyens financiers, je restais parce que j'ai frôlé la mort. Et combien des enfants ont vécu cette situation? Franchement, je demande vraiment pardon aux conducteurs. Allez doucement.
Allez doucement, rien n'urge. La vie de quelqu'un est en danger comme ça à chaque fois que vous démarrez votre moto ou votre voiture. Faites vraiment attention, soyez prudent. Message bien reçu à 100%. Aujourd'hui, la question de circulation routière, c'est devenu un vrai phénomène à N'Djamena. Léla, est-ce que vous avez, y a un acte ou un fait que vous regrettiez particulièrement? Bon, je dirais pas que je regrette. Je regrette un peu, mais Dieu merci, j'ai un garçon. Là, j'ai eu un enfant à fleur de l'âge, très jeune. Et combien? À 17 ans. 17 ans. Oui. Et bon, Dieu merci, j'ai eu des parents compréhensifs qui ont élevé cet enfant pour moi. Je leur dis encore merci aujourd'hui. Sans eux, je ne serais peut-être pas la femme que je suis aujourd'hui. Sans leur compréhension. Parce que je me dis combien de filles dehors vivent pareillement. Moi, j'ai eu la chance, mais l'autre, est-ce qu'elle a la même chance? Peut-être qu'à l'heure, là, je serai avec un plateau sur la tête en train de souffrir avec mon petit garçon à côté. Mais Dieu merci, je m'en suis en sortie, mais quand même, ça reste un pincement de cœur. Si je pouvais changer le cours des choses. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui la grossesse non désirée ou la grossesse non intentionnelle, comme on le dit, c'est un vrai phénomène aujourd'hui qui brise le rêve de beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce que vous allez dire spécifiquement à ces jeunes filles-là qui nous suivent aujourd'hui? Alors, je dirais à ces jeunes filles que vraiment, privilégiez vos études, faites attention aux hommes. Il y a des hommes très rusés parce que je suis victime. Mais pensez à cet enfant. Qu'est-ce qu'il va devenir demain? Son éducation, sa nourriture de tous les jours. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de vous prendre en charge? Combien de fois un enfant? Pensez vraiment à l'avenir de cet enfant-là. Et évitez franchement des relations inutiles, je dirais. Parce que ça ne sert à rien d'aller avec un homme et puis après avoir un enfant. L'amour, c'est quoi? On ne mange pas l'amour, à un certain âge, ça va venir. Et il y a la question aussi peut-être de la protection, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se protègent pas. Exactement. Les jeunes ne se protègent pas. Je ne sais pas, chacun a ses raisons, mais... Comme les gens le disent souvent à la télé, à la radio, prudence, et vraiment prudence. C'est vraiment important parce que beaucoup des enfants aujourd'hui sont dans la rue. Où sont les parents? Ah, chacun dans son petit coin là, en train de fumer quelque chose et tout. Et ça impacte l'avenir des enfants. Mm-hmm. Ils ne se retrouvent pas. Après, on va dire, ah, c'est un délinquant. Alors que c'est à cause de son père ou de sa mère qui n'a pas su prendre ses responsabilités. Mmh. Et lui aussi, par ignorance, pensait que c'était l'amour et tout. Il s'est retrouvé devant les faits accomplis. D'accord. Léla, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu le dire à votre père ou à votre mère et que vous n'avez pas eu la chance ou le courage de le faire et qu'aujourd'hui, on vous donne cette occasion-là? Ce que je peux peut-être dire à mon père, c'est... d'être plus attentionné envers notre mère. Car peu importe l'âge, on a toujours besoin d'amour, on a toujours besoin d'être câliné, d'être écouté, d'être vraiment pris en considération. Et avec l'âge, on comprend que chacun dans son petit coin, il se dit qu'il est papa vieux est polygame? Et tout. Pardon, papa non, est polygame? Il n'est pas polygame. D'accord. Ouais, c'est un homme qui a vécu toute sa vie dans la politique. Mmh. Et quand il est là, c'est politique. Alors il n'a le temps de personne. Alors que maman pourra vraiment l'aider à cette ascension politique, parce que c'est souvent ça, s'il la prend pour complice. Oui, on le souhaite en tout cas. Allez là aujourd'hui, si on vous donne deux billets pour aller sur une île. Vous avez la possibilité d'amener avec vous une personne et un objet. Ça sera qui? La personne et l'objet, c'est quoi? J'espère que ce n'est pas des pinceaux de maquillage en tout cas. Je dirais repeindre les arbres. Ok. Si je devais amener quelqu'un avec moi sur une île, n'est-ce pas? Alors j'amènerais mon petit ami. Ce sont stratèges. Donc je sais qu'avec lui, à tous les coups, je veux m'en sortir. Ah oui? Ouais. Alors et... c'est que c'est un coup sûr à partir pour le mariage alors. On espère.
Et l'objet? Et l'objet, j'amènerai... J'hésite un peu. J'emmènerai peut-être une couverture de froid. D'accord. Parce qu'il se peut qu'il j'ai froid, il se peut qu'il pleuve. Au moins, si j'ai quelque chose sur moi, c'est le plus important. Merci beaucoup, Léla. Vous étiez parfaite, une invitée au positif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, vous pouvez toujours interagir avec le reste des invités. Les autres aussi, vous pouvez aussi faire autant. S'il y avait une question ou s'il y aura une question qui pourra vous intéresser, n'hésitez pas à réagir. Yasmine, nous allons marquer une pause musicale et cette fois-ci... Nous allons découvrir la création recette. Ils font partie intégrante de l'émission. Ce sont des créateurs des mélodies, des professionnels hors pair. Les meilleurs instrumentistes de la capitale, il faut le dire, mesdames et messieurs, dans une création faite maison, 100% ressources propres pour vous, dans une interprétation rock pair in Tchad. Eliazar à la guitare, Isaac à la basse, Rick Bell à la batterie, Abraham et Fidel au piano, Anour à la percussion, et la voix de Dico dans une configuration recette qui veut dire recette musicale tchadienne.
Yasmine, on dirait la Positive Band a plus de plaisir que beaucoup d'entre nous. En tout cas, bravo, c'était vraiment magnifique. Merci à toute l'équipe pour ce Rec 7. Yasmine, nous allons continuer avec nos invités sur le plateau. Oui, Adam, nous allons continuer à aller à la découverte de nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir cette grande dame qui a accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui, Hadjeza Radilo. Salam alaikum, bienvenue sur notre plateau. Alaikum assalam. Vous avez travaillé longtemps dans une chancellerie à l'étranger et nos compatriotes de la diaspora vous apprécient énormément. Ils vous trouvent disponible et travailleuse. Qui est Madame Zahra Dilo dans un cadre de travail? Moi, je m'appelle Zahra Dilo, une fille du Béti, qui est née dans le Wadaï, grandie dans le Wadaï. J'ai suivi mes études primaires à Abichi, secondaire, une partie à N'Djamena et l'autre à Paris. Effectivement, je commençais mon petit job ici à N'Djamena. Et après, je suis partie et effectivement, comme vous l'avez dit, je travaillais à l'ambassade du Tchad à Paris. C'est deux fois deux missions, 96 à 2000 et de 2011 à 2022, fin 2022. Et c'est vrai, et vous savez, si on est en la diplomatie, on est là pour servir le pays et servir la diaspora. Donc c'est une mission que je l'ai fait avec mon cœur. Et voilà. Comment étiez-vous avec vos collaborateurs dans votre cadre de travail? Moi, je travaille avec des hommes et des femmes qui sont très compréhensibles. Et j'avais eu la chance de travailler avec tous ces bons mondes. On dirait que c'est par miracle, ils viennent de la même région que le Wadaï. Je travaille avec trois ambassadeurs et les trois ambassadeurs, ils viennent du Wadaï. Et c'est des hommes, c'est des gros cadres, aujourd'hui sont à l'international. Et le reste des équipes, staff, mes collègues et collaborateurs aussi, c'est vraiment des gens familiers. Et on avait soudé une équipe très dynamique, très compréhensible. C'est vraiment le respect de la hiérarchie et la circulation de la communication et chacun fait son job. Après toutes ces expériences que vous avez eues, qu'est-ce que la diplomatie vous a appris? Écoutez, moi je suis, pas diplomate de formation, hein. Attention, moi je suis comptable de formation. Et la diplomatie, je l'ai apprise sous le temps. Ça, je vous l'ai dit, parce que j'étais malade. On devrait m'évacuer à Paris pour les soins. Et les soins vont prendre un peu de temps. J'ai souhaité aller travailler à l'ambassade et c'est comme ça que je me suis intégrée dans la diplomatie et j'ai appris beaucoup de choses, des relations. Et j'ai suivi certaines conventions. Et surtout, vous savez, un être humain, c'est les relations. J'avais côtoyé des femmes et des hommes du monde entier dans des différentes chancelleries et j'ai gardé de ces gens beaucoup d'expérience. Et le contact facile avec les diplomates, en tout cas, je ne le regrette pas. Petite, vous rêviez de devenir pharmacienne. Tout à fait. Et vous êtes devenue plutôt comptable. Tout à fait. À quoi est dû ce revirement? Vous savez, quand j'étais petite, je suis très admirative à une de mes nièces, qui est la défunte H. Nicole. Elle m'a encouragé beaucoup. Et quand tu es à Béché, elle a acheté les cahiers, tout ce qui est robe, tout ce qui est poupée. Bon, là, elle m'envoie à Béché. Et vous savez, entre-temps, il y a l'avion qui va mettre Air Tchad, qui va mettre une semaine à deux semaines pour revenir. Et j'attends, Abdelhamid Ousmane descend à la maison seulement. La première des choses, c'est de rattraper un petit cadeau parce que c'est elle qui m'envoie. Et je dis, moi aussi, je vais faire la pharmacie. Et je me suis orientée un peu vers la série scientifique et plus précisément série 2. J'ai continué jusqu'au... Vous savez, j'avais un peu de chevauchement entre les événements qui a connu notre pays. Et quand j'avais eu mon bac, je crois que je suis la première femme en série scientifique avec mention à Béché. Je suis la première.
Et quand j'ai eu mon bac, je suis rentrée pour faire la pharmacie. Je devrais aller au Sénégal. On me dit non, il faut que tu vas en Côte d'Ivoire. Après, on me dit c'est la Russie. Et ma mère dit n'y est pas question. Donc les gens entendent la Russie, c'est très loin, il fait froid. Et là-bas, les filles, là, dès que vous partez, il fait froid, vous allez boire de l'alcool. Et on m'a refusé, et plus précisément mon grand frère, il dit, si tu vas aller en Russie, là, moi, je vais déchirer ton bac. Moi, donc, j'ai décidé, j'ai dit, ni Russie, ni à l'extérieur, je changeais de carrière, donc je me suis inscrit ici à l'université pour faire la comptabilité. Et après la licence, j'ai eu la chance d'accompagner mon mari à la Coton Tchad. Lui, il est nommé directeur de commercial de la Coton Tchad à Paris. Et moi, je profitais de cette occasion pour suivre mes études à l'École supérieure de gestion de Paris. Et c'est de là où je me suis forgé dans la comptabilité. Ouais. Aujourd'hui, si on vous donnait l'opportunité de pouvoir changer encore votre métier actuel, qu'est-ce que vous choisirez? Mon métier à moi? Vraiment, je voudrais être... La pharmacie? Non, ce n'est pas la pharmacie. Mais cette fois-ci, je voudrais vraiment être un pédiatre. C'est pas très loin, hein? Oui, c'est pas loin. Pourquoi la pédiatrie? Est-ce que vous savez, quand je rentre dans les différents hôpitaux, surtout au niveau des urgences, l'hôpital mère d'enfants, ce qui m'avait remarqué, quand je suis partie, je trouvais des enfants. Ils sont par terre. Vous voyez, ils sont en train de se torturer parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur douleur. Ils sont en train de pleurer par-ci, par-là. Et je me suis dit que si je savais, je vais être pédiatre. Donc c'est ça ce qui m'a dit. Vous avez parlé de vos études. Justement, vous avez fait une partie de vos études primaires et secondaires à Béchet. Quel souvenir gardez-vous de cette période et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? À Béchet, c'est une ville cosmopolite. À Béchet, c'est une ville la paix. À Béchet, c'est tout le Tchad. C'est-à-dire, moi, ce que je garde à Béchet aujourd'hui, au moment où je vous parle, hein, nous, les Abéchois, si on se retrouve, si on connaît, on est des frères et des sœurs. Et à Béchet, aujourd'hui, par exemple, le voisin peut corriger ton enfant. Tu fais des bêtises, l'autre maman sort, elle te dit, allez, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle te corrige, personne ne parle. Et on est très familier. Abéché, vraiment, pour moi, c'est ma mère. Abéché, c'est ma mère. Une dame forte avec énormément d'expérience, mais on sait tous que nous sommes humains et nous avons tous des fragilités. Quelle est votre plus grande fragilité? Quelle est votre plus grande fragilité? Fragilité? Oui. Je suis très sensible aux personnes vulnérables. Aux personnes vulnérables, je suis très sensible. C'est ce que je suis très sensible. On va détendre un peu l'atmosphère, parce que je trouve qu'on est trop, trop sérieux. Dans certaines communautés, vous savez, ce sont les femmes, je ne sais pas si c'est aussi votre cas, ce sont les femmes qui choisissent leur co-épouse. Déjà, si c'était votre cas, est-ce que vous l'auriez fait? Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, ma soeur, moi, je suis mon père était marié à 3 femmes. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la différence entre les frères. Qui est la maman qui on nous a élevés vraiment comme une seule mère? Et pourquoi pas aujourd'hui, si mon mari décide à se marier, avec plaisir? Avec plaisir, pourquoi l'islam n'interdit pas? L'islam n'interdit pas. Mais à condition qu'il a les moyens, à condition qu'il a les moyens là, de l'entretenir. Voilà. Quelles seraient les astuces que vous allez mettre en pratique pour peut-être être la préférée? Écoutez, j'ai un mari intellectuel. Peut-être c'est pas Sarah qui va me détoumagner. Et il n'y a pas d'astuce. On est vraiment complémentaires. On est vraiment des complices. C'est un monsieur qui me comprend parfaitement. Et je le comprends très parfaitement. Il est là, il vous a accompagné aujourd'hui? Ah non.
C'est quelqu'un qui a horreur de, à la télévision. Il ne veut pas s'afficher. Alors, vous avez des enfants et il arrive souvent que les parents aussi aient des désaccords avec leur enfant. Est-ce que souvent avec vos enfants, vous arrivez à ne pas vous entendre ou c'est l'entente totale, la complicité totale, pas de problème? J'ai deux enfants adorables, une fille et un garçon. Et je les adore. C'est des enfants qui sont, on dirait pas, ils sont pas nés de moi et de leur père. Wow. Quelle est votre dernière folie financière? Votre dernière folie financière? Ou vous n'êtes peut-être pas dépensière? Trop dépensière. C'est quoi la dernière folie que vous avez faite? J'ai 500 000 francs, ça me touche. Je vais donner à qui? Je vais donner à qui? Une âme généreuse, hein? C'était nous, Madame Zahra, trois personnalités connues avec lesquelles vous aimeriez bien dîner un jour. J'ai mon grand frère Abdelman Dadi, paix à son âme, parce que c'est lui qui m'avait beaucoup encouragé dans mes études aussi. C'est lui qui m'avait poussé, parce que vous savez, la religion et autres, nos familles, nous, les gens du BT, la fille, après 18 ans, il faut se marier et rester. Après le bac, c'est lui qui m'avait vraiment beaucoup encouragé aussi pour les études, paix à son âme. Il ne faut pas dire, je ne veux pas oublier tout, parce que, écoutez, il y a des gens qui ne sont pas de ce monde. J'ai des oncles qui sont partis, et le défunt Sabiagui et le maréchal. Merci beaucoup. Hein. Merci, Mme Zahra, d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous tous ces passages-là d'Abéché, du BT, d'Abéché, passé par Niamène à Paris. Nous avons beaucoup appris. Yasmine, nous allons marquer une pause et cette fois-ci, fidèles téléspectateurs, nous allons passer à notre jeu. Certains le connaissent déjà. Le jeu, c'est « Devine le mot sur le front ». C'est un jeu assez simple. Notre assistante Chancela, on l'applaudit très 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 fort, elle va venir ici. Avec Chancela, nous allons choisir un invité au hasard sur le plateau et lui faire poser un mot. Et il va expliquer, on va essayer de mimer, et il va nous dire c'est quoi ces mots, ça signifie quoi exactement. Chancela, on va donner à quelqu'un qui va choisir ces mots, on va donner à Léla, elle va choisir. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce ne sera pas toi en tout cas, c'est vrai. Il faut le lire et peut-être après le montrer à la caméra. C'est Souraya Zakaria. D'accord. Madame Souraya Zakaria. Ouais. D'accord. Madame Souraya, vous acceptez de jouer avec nous? Vous allez juste vous poser là. Voilà. J'espère que c'est stable. Oui, c'est stable, c'est stable. On va le stabiliser. On va le stabiliser pour vous, il n'y a pas de problème. Tout va bien? C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, le jeu, c'est assez simple, comme je viens de l'expliquer. Mm-hmm. Nous allons choisir un mot. Vous allez le placer comme barrette ici. Mm-hmm. Vous allez le montrer à nos invités, oui, ainsi qu'au public et à tous ceux qui regardent. Ensuite, je vais essayer de mimer le mot. Okay. On va choisir le premier mot. Alors, d'accord. Vous le placez. Vous allez montrer aux invités. Et après, voilà, vous allez le montrer. C'est bon, la caméra zoom, on regarde sur les écrans. Vous pouvez regarder sur les écrans. Vous voyez, c'est bon? D'accord. Alors, je ne sais pas par où commencer. Non, n'enlevez pas. Okay, je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par quoi? Alors, c'est quelque chose dans l'organisme. C'est quelque chose qui est dans l'organisme. On peut trouver dans l'organisme de tous les êtres vivants. Le sang? Ok. Le sang. Que vous dit le sang par rapport à cette émission? Vous prenez le sang, vous prenez cette émission-là. Si vous mettez le 2, ça donne quoi? Ça donne... Ça, c'est pas du mime, hein, parce que j'explique. Non, ça donne une relation. C'est quoi cette relation? Bon, moi, je veux parler plus dans mon domaine, le don de sang. Si vous prenez le sang et cette émission, ça donne quelque chose. Au positif, donner du sang au positif, vous, je ne sais pas. Hein. Bon, ça va dans ce sens. D'accord.
C'est à peu près, hein. Hein? C'est à peu près ça. On cherche une qualité, en fait, une variété de sons. Ouais. C'est quoi cette variété de sons? Bon, chez nous, ce qui est plus demandé, bon, le son O positif, c'est le grand pourcentage. D'accord. Mais le O négatif, c'est le son rare. D'accord. Bon, on a un peu la réponse, hein, parce qu'on cherche un groupe sanguin qui est le O positif. On applaudit, s'il vous plaît. On va changer. Okay. On va changer. Ok. C'est bon, on fait montrer aux invités sur le plateau. Ça va, tout le monde l'a vu. C'est bon. La caméra, on peut faire. Vous pouvez baisser un peu. C'est bon, vous voyez. C'est bon. Alors, c'est un animal, madame. C'est un animal. Il est. Vous voyez. C'est un animal qui a. Carapace. Il a une carapace. Tortue. Des calames, je dis. Des calames. Abungada. Abungada. On va changer. C'est rapide, hein, ça passe très rapidement. Merci. Pourquoi tout le monde dit? Vous avez compris, tout le monde rit. Hein? Alors, c'est un fait. C'est un fait, Chorloïde. Souvent, ça arrive qu'un ragil d'Abba Akhat. C'est aussi une célèbre chanson qui a tiré. Le contexte. Le contexte. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, si un mari épouse une seconde femme, mm-hmm. qu'est-ce qu'on dit à sa première épouse? Voilà, qu'est-ce qu'on dit souvent? Saboureux. C'est carrément autre chose. C'est sur la lahanke. Je ne suis pas le genre lahan, donc c'est un peu difficile de me retenir. Alors, il faut dire genre quelque chose qu'on arrache. Qu'on arrache. Voilà. Qu'on arrache. Ah, ok. Une célèbre chanson de quelque chose qu'on a arraché. Ok, je vois maintenant, je vois. C'est... Chalufatou. Ce que vous pouvez regarder, c'est écrit Chalufatou. Merci. Dernier. C'est le dernier, hein, c'est promis. On ne va pas vous torturer. Voilà. Vous faites montrer. C'est bon, le public aussi? D'accord. Attends, alors, c'est-à-dire que c'est ça, moi, j'ai toujours fait... Je fais ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, quand je parle de faire ça. L'amour, c'est ou une bien personne, une personne, oui. Le bébé, ou bien c'est... Non, l'autre. L'autre du bébé, c'est quoi? La personne qui a amené le bébé. Le papa? Non, l'autre. Ça, je ne me retrouve pas. Non, l'autre. Il y a le papa et qui? Le mari. Qui allait, qui... Gailoli. Gailoli, c'est dans quel contexte? Il y a tout qui est le sahir, il y a tout qui est rendu le sahir. Ah, l'âme. Ok. La maman. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à... Si c'est écrit, si c'est... Vous allez dire quelque chose à Nad Maradaki ou Lola. Ça, j'aurais un livre à dire. Ah, un mot, ça signifie quoi? Qu'est-ce que... C'est... Dire? Bon, c'est une dame formidable. Un mot. Un mot. C'est ma référence, mon cœur et tout. C'est-à-dire, vous allez dire à cette personne, oui. Moi, je t'aime. Voilà. Qui je t'aime? Qui je t'aime? Il y a tout. Maman, je t'aime. Maman qui? Maman Djiné. Vous pouvez regarder. J'étais nul aujourd'hui. Ok, merci. J'étais nul aujourd'hui à ce jeu. Merci beaucoup, merci. Hein, d'avoir accepté de jouer merci. Avec nous sur ce jeu. On applaudit très très fort Chancela, notre assistante sur le plateau d'eau positif. Yasmine, nous allons continuer. Avec qui? Avec, je pense, mon voisin. Oui, avec ton voisin, effectivement. Monsieur Omar Djimé Moussa Godi, soyez le bienvenu sur le plateau d'eau positif. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est à moi de vous remercier. Monsieur Omar, parlez-nous d'un sujet aujourd'hui qui intrigue, sur lequel il y a beaucoup de confusion et de méconnaissances. Le margaï. D'où vient cette passion pour apprendre et surtout se cultiver sur le culte margaï? La margaï, c'est quoi? Margaï, c'est une déformation, une arabisation d'un terme kenga qui veut dire marga. Il y a encore de nos jours, il y a des gens qui s'appellent Gamarga, par exemple. Mm-hmm. Et en Kenga, quand on dit Opmarga, ça veut dire il tremble. Et quand on dit Marga, ça veut dire la vibration divine qui anime toute chose. Vous saviez, en Kenga, la source de la création s'appelle par Ra. Mm-hmm. Ra, c'est la source de création, mais il est mystérieux, on dit Gotinyodo. On ne peut pas accéder à cette source de création, au-delà de notre perception. Mm-hmm. Indescriptible, c'est au-delà de l'imaginaire. Mais sa vibration est partout, mm-hmm. dans l'oreille minérale, dans l'oreille végétale, tout comme dans l'oreille animale. Et c'est cette vibration divine qui anime toute chose là, qu'on appelle par Marga. Pour la compréhension des esprits qui sont relativement matures, mm-hmm. on leur explique par exemple par le soleil et son rayonnement. Le soleil, c'est la source, mais son rayonnement est partout. Mm-hmm. Voilà, c'est ça, Ra et Marga. D'où vous êtes venu cette passion vibration. Aujourd'hui, monsieur Omar, d'où vous êtes venu cette passion d'apprendre, de promouvoir et surtout cette question de la Marga? Merci. En fait, moi, je suis né de père et de mère d'une communauté qu'on appelle au Tchad par les Hadjaray, que ce soit mon père, que ce soit ma mère. Et donc, bien qu'étant musulman, c'est des gens qui sont rattachés à leurs us et coutumes. Des gens parfaitement. Mais particulièrement, moi, je suis né en Djamena. Je suis né en Djamena. J'ai commencé mes études à l'école Chouada. Et après, j'ai fait une bonne partie de mon enfance au sud du pays, mm-hmm. plus précisément au pays Toumak, à Goundi. Et beaucoup me connaissent une partie. Et en réalité, j'ai découvert le pays Hadjaray, c'est à partir de 1994, où mon papa, étant gendarme, après on a fait appel à lui pour l'introniser comme une autorité traditionnelle et coutumière du pays Kenga. C'est pour la première fois que j'entre en contact avec mm-hmm. le pays Hadjaray et je découvre quelques réalité en rapport avec nos us et coutumes. Comment organiser aujourd'hui? Entre-temps, c'est vrai, avec la vision d'un adolescent, ça ne m'intéressait pas trop. Mm-hmm. Ça ne m'intéressait pas trop. Mais c'est une passion qui a grandi au fur et à mesure que je grandis. Surtout quand j'ai fait mes études, je suis parti au Maroc. Au retour, bon, sans vraiment une passion irrésistible pour comprendre ce phénomène où il y a tellement de préjugés. Et quand je me suis à découvrir, j'ai découvert un univers qui est merveilleux et ça me fait plaisir de partager avec vous. Comment organiser le culte margaï? La royauté est régie par, n'est-ce pas, le principe de la marga. Il y a le roi avec les chefs de liage, parce que la communauté traditionnelle est organisée en lien. Mm-hmm. Il y a les chefs de liage qui sont là. Il y a le système de défense qu'on appelle par les délégués et les maïgés. Maïgés, ce sont les défenseurs qui sont piétons. Mm-hmm. Ils appellent, n'est-ce pas, les forces piétons et les délégués, ce sont les cavaliers. Mm. Il y a les nelgés qui sont, n'est-ce pas, les épouses, d'accord, le roi, et autour d'elles fédèrent toutes les femmes et mm-hmm. elles ont une fonction éducative. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Il y a les gens de Korodgué mm-hmm. qui ont ce don de guérison et qui assurent en quelque sorte le rôle de la santé. Et c'est-à-dire pour, dans toute la société, il y a dans la société. Et donc il y a toute cette organisation. Oui, c'est l'aspect matériel. Mm-hmm. Mais il y a l'organisation spirituelle parce que la société est organisée, il y a des couches qu'on appelle par les Djenang, les gens de la terre, oui. et des couches qu'on appelle par les Garing, les gens de la royauté. Okay. Quand il s'agit des affaires spirituelles, mm-hmm.
Les Djenang, ils ont cette compétence parce que c'est elle, quand on, par exemple, la Marga, elle se manifeste, se manifeste à travers une femme. Ok. Parce qu'on dit la femme est divin. L'homme est royal, mais la femme est divin. Ok. C'est ce pouvoir divin-là, la femme qui a. Et quand elle se manifeste, elle s'incarne à travers une femme. Et elle se met, n'est-ce pas, à parler dans un langage primaire où il y a les crypto-communicologues, qu'on appelle des délégués, qui transfèrent ce message-là aux gens de la terre. Et c'est ces gens de la terre maintenant transfèrent le message aux Garingues pour qu'ils essayent de faire le rituel qu'il faut pour la prospérité, n'est-ce pas, de la patrie. Monsieur Omar, comment est organisé, on peut le dire, célébré le mariage selon le rite Margaï? Vous savez que le Margaï, c'est le fondement pratiquement de toutes les us et coutumes. C'est la société traditionnelle des us et coutumes. Et chaque société a ses us et coutumes. Ce que je veux vous dire ici, il s'agit essentiellement d'une communauté traditionnelle qu'on appelle par les Tchengue, aujourd'hui on les appelle par Kenga. Dans ça, le mariage, ça s'appelle le morbo. Le morbo, c'est tout un processus qui commence depuis la demande jusqu'à l'aboutissement. Une fille qui a atteint déjà l'âge de se marier, elle peut avoir plusieurs prétendants. Chaque prétendant amène, n'est-ce pas, la chose symbolique de sa demande. La famille accepte, parce qu'on dit plus la fille est prestigieuse, plus elle est sollicitée, elle est demandée. Et donc, jusqu'à ce que, il juge que, n'est-ce pas, la demande est vraiment nécessaire, en ce moment, le conseil, n'est-ce pas, de la famille décide. Se réunit pour pouvoir maintenant trier. Parce qu'il y a des familles où peut-être qu'ils ont des antécédents. D'autres, peut-être, il y a une incompatibilité pour X ou Y. En tout cas, ils trient tout ce qui est non conforme. Oui. Ils les mettent à côté. Maintenant, ils laissent maintenant la fille choisir dans les champs de conformité ce qu'elle veut. Ils disent, ça là, pas possible, ça là, pas possible, ça là, pas possible. Maintenant, dans ça, 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 lequel tu préfères. Ah, c'est on demande l'avis de la fille. Voilà. OK. Dans ce qui est permis. Dans le champ de la permission maintenant. OK. Voilà. Donc, c'est là où elle choisit. Quand elle choisit, en ce moment, commence maintenant le processus, le rituel même de le mariage en question. Une fois que les deux familles se sont entendues, la fille quitte ses parents pour aller habiter chez ses beaux-parents. C'est le processus qu'on appelle le morbo en question. D'accord. Elle passe environ plus de 3 mois à peu près. Okay. Pendant ces 3 mois, on peut peut-être, dans nos langages actuels, dire par la période de renforcement des capacités, parce qu'il faut que la femme connaisse les us et coutumes. Mariage à essai ou bien comme... Les us et coutumes et les habitudes de ses beaux-parents. Puisque l'éducation, la fonction éducative est féminine. OK. La femme, elle connaît déjà ses us et coutumes. Mais pour son mari, elle doit aussi connaître pour que l'enfant soit au complet. Et donc, pendant cette période, on renforce la capacité, n'est-ce pas, de la femme, pour que à la sortie, elle puisse assimiler, n'est-ce pas, voilà. Et donc après les 3 mois, il y a une période qu'on appelle par le boyo, qui est à l'approche de la saison pluvieuse, et tous les mariés d'un village donné se retrouvent autour de l'autorité traditionnelle pour célébrer la fête des mariés qu'on appelle par le boyo. Cette fête et aussi en rapport avec la fécondité de la nature. Parce que la fécondité de la femme et la fécondité de la nature. Et on dit après, cette danse de boyo, quand ça atteint son extase, la saison pluvieuse commence. Voilà comment le processus du... D'accord. Quel est le rôle de la reine, femme roi? La reine, elle a une fonction éducative, mais elle est aussi gardienne de la mémoire. Parce que c'est autour des reines que la chanson funèbre qu'on appelle par le Katara. C'est elles qui sont les gardiennes, n'est-ce pas, du mémoire de la communauté. Et donc, ils ont un rôle éducatif pour l'enfant,
ils ont un rôle éducatif pour la communauté. Quand il y a une grande disparition, ouais. parce que la mort d'un géant, d'un baobab, c'est la disparition d'une mémoire. Mm-hmm. Et donc, cette femme se regroupe pour pouvoir chanter cette cantique funèbre, cette cantique sacrée, sacrée qu'on appelle par le Qatar. D'accord. Autour de ça. D'accord. La femme, comme je vous l'ai dit, elle est aussi divine. Quand la Marga s'incarne en elle, et quand elle communique le message, mm-hmm. les rois s'inclinent devant la femme pour écouter ce qu'elle dit. Donc elle a aussi la fonction d'éduquer même les rois. C'est vrai. Mm. Voilà. Monsieur Omar, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications liées au culte Margaï. Grâce à vous, nous espérons que le message est bien passé et que c'est merci bien beaucoup. Compris. Fidèles téléspectateurs, nous allons continuer, Yasmine. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause cette fois-ci pour passer à la rubrique de Samy, le spécialiste des bonnes habitudes et des bonnes manières qui va toujours nous donner des idées et des conseils utiles. Mesdames et messieurs, accueillons Samy. Sabi, tu es super bien habillé. Hein. Merci Yasmine, toi également. Merci. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène corporelle et quelques astuces. Ça renferme quoi déjà, l'hygiène corporelle? Déjà, il faut savoir que l'hygiène corporelle, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'obtenir et de préserver la propreté de notre corps. Maintenant, l'hygiène corporelle, il est tellement vaste et ce qui... est bien à retenir, c'est qu'il y a quelques-uns qui peuvent influencer sur... que lorsqu'on ne prend pas, on ne fait pas attention, ça peut influencer sur notre image ou sur les relations avec certaines autres personnes. Voyez-vous, Yasmine, que lorsque vous parlez, les gens font ce geste. Ou bien que lorsque vous parlez, les gens ont tendance à s'éloigner de votre visage. Votre compagne, par exemple, n'a même plus envie de vous embrasser. Ceci, c'est dû à quoi? La mauvaise haleine que vous dégagez. Vous montez dans un transport commun. Et lorsque vous entrez directement, les gens ont envie de sortir. Vous allez chez votre coiffeur. Il est en train de prendre soin de vous. Vous avez tout de suite envie de lui dire d'arrêter, justement, et d'aller prendre un bain avant de revenir. Ceci, c'est dû à quoi? L'odeur qu'il dégage. Donc, et je vais... te demander ceci. Vous avez vu aussi la société, notre société est en majorité dominée par un style vestimentaire où on porte des chaussures fermées. Est-ce que je me trompe ou bien ce n'est pas le cas? Voilà, mais malheureusement, beaucoup n'accordent pas d'importance à l'hygiène de leurs pieds, aux soins de leurs pieds. Vous voyez, on peut vous inviter à passer la nuit chez un membre de la famille. Après, quand vous avez... Le matin, quand il revient, il constate que le drap est déchiré. Ceci dû aux fissures de l'hygiène de vos pieds. Voilà. Et l'hygiène de pied est très important parce que c'est ça qui renvoie toute la beauté de notre élégance. Beaucoup n'accordent pas de l'importance à cette hygiène des pieds, alors que la société, le style vestimentaire est dominé par le port de chaussures ouvertes. Vous voyez quelqu'un qui a mis un bon boubou, il est tout élégant en haut, et après il a mis une sandale, après on voit les pieds qui sont un peu fendus. Directement, ça gâte l'image complètement de son style. Voilà. D'accord, Samy. Alors, dans le cas où la personne a une mauvaise haleine ou bien des pieds fissurés, quelles sont les astuces qu'on pourrait appliquer pour pouvoir résoudre ce problème-là? Bien sûr. Déjà, pour la mauvaise haleine, il faut... premièrement, la mauvaise haleine due à une mauvaise hygiène dentaire. Il faut régulièrement se brosser les dents, 2 fois par jour au minimum. Et vous savez, ce qui peut aussi causer la mauvaise haleine, en ce moment, par exemple, nous sommes en période de carême, il y a la bouche qui est sèche, le manque d'hydratation et tout. Ça, ce sont les facteurs qui causent la mauvaise haleine. Et en période de carême, par exemple, si on veut éviter la mauvaise haleine, il faut régulièrement se faire
un bon de bouche pour rafraîchir un peu la bouche. Ça va permettre en sorte que la bouche soit fraîche et que lorsque nous allons communiquer, ça pourra éviter de la mauvaise haleine. Maintenant, pour les odeurs corporelles, il y a des petites astuces très rapides que pour éviter la transpiration, lorsqu'on transpire, pour éviter de dégager des odeurs, il y a des gels. On peut utiliser, comment on appelle, l'aloe vera, le gel d'aloe vera. On le met rapidement sur les aisselles. Cela atténue l'odeur de la transpiration. Il y a également le citron. Le citron qu'on peut utiliser pour atténuer l'odeur de la transpiration. On peut utiliser également le bicarbonate. Maintenant, pour le pied fendier, il y a quelques... le bicarbonate aussi peut nous aider. Vous prenez le bicarbonate avec un peu, 3 cuillerées de bicarbonate, avec 1 litre d'eau, vous faites bouillir pendant quelques minutes, vous trempez les pieds, vous faites un bain de pieds dans, au moins pendant 30 minutes. Après, vous prenez une pierre ponce, vous brossez les pieds, vous les nettoyez, vous les séchez, et vous prenez un gel hydratant, vous les essuyez. Il y a aussi du miel. Avec du miel aussi, vous pouvez faire un bain de... vous mettez du miel dans 1 litre d'eau bouillante, vous trempez les pieds au moins pendant 30 minutes. Après, vous nettoyez avec les pieds à ponce et le tour est joué. Voilà. Merci beaucoup, Samy, pour cette leçon. Moi, merci. J'ai beaucoup appris et j'espère que le public et les téléspectateurs aussi. Je vous en prie, Yasmine. Maintenant, on va se quitter avec un petit proverbe de sapeur. Mais permettez-moi d'ajouter une touche d'élégance à mon look pour vous dire ce proverbe qui dit que l'élégance est une affaire d'éducation, mais le luxe est une affaire d'argent. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'est pas élégant. Merci. Merci, Samy. Après Samy, on va aller à la rencontre d'une autre dame qui est avec nous aujourd'hui, Madame Souraya Zakaria. Bienvenue une fois de plus. Merci. Ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup. Vous, tout à l'heure déjà, vous avez abordé un peu déjà ce que vous faites quand vous étiez en train de faire le jeu avec Adam. Donc on va rester dans ce sens-là. On va parler un peu de votre travail. Vous êtes responsable du Centre National de Transfusion Sanguine, la Banque de Sang. Bah, expliquez-nous un peu les activités principales du centre, parce que je suppose hein, beaucoup ne savent pas réellement quelle est l'importance de ce centre-là. Je suis la directrice adjointe au Centre National de Transfusion Sanguine et le Centre National de Transfusion Sanguine a comme mission de disponibiliser des produits sanguins sécurisés sur tout l'étendue du territoire. On a aussi une mission de formation, de recherche et pourquoi pas de même fabrication de certains réactifs. Parce que quand je dis fabrication, ça c'est, j'abonde dans le sens des groupages. Parce qu'il y a aussi certains réactifs qu'on peut faire en interne au niveau du Centre national de transfusion sanguine s'il y a les moyens. Alors, la banque de sang, on suppose qu'on n'a pas une machine à fabrication de sang. Donc, est-ce que vous avez des donateurs dont le centre dispose ou vous attendez juste des volontaires qui viennent peut-être? Ah, merci, c'est vraiment une question très pertinente et c'est ça, le bas blesse à ce niveau. Parce que selon les recommandations de l'OMS, on dit que si 1 à 2% de la population donnait son sang, on allait satisfaire la demande. Donc, selon les recommandations de l'OMS, on dit qu'il faut que 2018, c'est déjà passé, parce qu'on dit 2018, normalement, on devait avoir 80% de donneurs volontaires, ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que nous, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, on est dans les 6%. Si c'est extrapolé au niveau national, c'est 1,9, je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez, il y a un gap énorme et ça donne vraiment beaucoup à réfléchir, surtout par rapport au don de sang volontaire. La plupart des donateurs, ceux qui viennent là, sont parfois des familles, des malades. Mais est-ce qu'il y a des parents qui, parfois, refusent de donner leur sang alors qu'ils peuvent sauver?
Bon, effectivement, bon, la plupart, au Tchad quand même, la plupart des donneurs, c'est des donneurs familiaux. Si on peut le dire, ça veut dire qu'ils ont un malade qui est là quelque part. Donc ils viennent seulement, ne serait-ce que juste pour sauver ses parents. Alors que nous, on a besoin de donneurs de sang volontaires parce que ce sont des gens qui sont sûrs de leur comportement. C'est ça ce qui est recommandé. On a tendance à aller toujours vers le don de sang volontaire. Parce que ces donneurs familiaux, c'est des gens qu'on appelle, ils sont en cours de route quelque part en train de faire une activité qu'on appelle. C'est pas l'obligation qu'ils viennent pour donner du sang. Donc c'est peut-être des gens qui ne sont pas ordonnés dans leur vie sexuelle. Et... Donc souvent, quand on les prélève, nous on fait 4 marqueurs, le HIV, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Donc souvent, parmi ces gens qui arrivent, il y a plus de gens qui ont quand même un des marqueurs positifs. Et ça, ce n'est pas dans notre intérêt. Donc, alors madame, il y a peut-être un petit problème qui se pose. Beaucoup veulent donner leur sang, mais ils refusent d'y aller parce qu'il y a certains donneurs volontaires qui y vont, ils donnent. Et dans le cas où il y a un malade de leur famille qui a besoin de sang, arriver à la banque de sang, on leur demande d'acheter le sang ou on leur dit qu'il n'y en a pas. Effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité parce que la demande est très, très élevée par rapport à l'offre. Il ne faut pas oublier ça. 98%, c'est pour cela que j'ai écrit les statistiques, parce que 98% de donneurs familiaux par rapport aux donneurs, donneurs volontaires qui est de 11%. Donc tu vois, ces donneurs volontaires, là, ce qu'ils donnent ne finit que dans 2 ou 3 jours, hein. Pas plus. Parce que la demande est très élevée par rapport à l'offre. Et nous, maintenant, notre objectif, c'est transformer ces donneurs familiaux en donneurs volontaires. C'est ça qu'il faut mettre une stratégie de communication pérenne qui pourra nous amener à atteindre ces objectifs. Aussi, nous, parfois, c'est récurrent, on le trouve, il y a des malades qui ont besoin de sang et il se trouve qu'ils ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Parlez-nous un peu de l'importance déjà des groupes sanguins et de l'importance pour chaque individu de connaître son groupe sanguin. Normalement, tout être humain doit connaître son groupe sanguin. Ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce un accident peut survenir. Et peut-être que lors de l'accident, il se pourrait qu'on ne peut pas prélever le malade pour faire son groupage. Mais déjà, s'il avait une carte de groupage, ça facilite le travail. Et bon, le groupe sanguin, c'est des substances antigéniques qui se trouvent au niveau de globules rouges et qui permet de faire une classification. C'est pour cela qu'on dit celui-là est A+, celui-là est B, celui-là est O plus ou bien négatif, ou bien AB et AB négatif. Le négatif, c'est le résus négatif, et le ABO, c'est le système ABO. Et c'est ça qui permet de classifier les gens en fonction de leur groupe. Alors, après combien de temps est-ce que le sang se reconstitue et on peut aller donner à nouveau? Si je donne, par exemple, mon sang aujourd'hui, après combien de temps je peux patienter pour repartir encore faire un don de sang? Moi, je peux vous donner... Bon, ça, c'est sur le plan scientifique. On dirait la durée de vie du globule rouge est de 120 jours. Ça veut dire 3 mois. Mais, par rapport au plasma, on peut... En 2-3 jours, on peut reconstituer le plasma. Mais le plasma, c'est aussi une partie du sang. Parce que le sang, c'est... Il y a le globule blanc, il y a le globule rouge, il y a le plasma dedans. Donc, nous, quand quelqu'un vient pour faire un don de sang, on lui dit de ne pas faire une activité pendant cette période et de boire beaucoup. Donc, ça permet de régénérer ce plasma. Mais chez l'homme, on conseille qu'il fasse son don chaque 2 mois. Chez la femme, à cause des menstrues, on conseille à la femme de faire le don chaque 3 mois. Donc, si on peut... je ne peux pas... Il n'y a pas de science exacte. Je ne peux pas te dire exactement. Mais quand même, en 2 mois, on peut reconstituer. Et c'est qu'il faut faire savoir que même si on ne donne pas son sang, après 3 mois, la rate, tous ces globules rouges vont être séquestré au niveau de la rate. Donc, autant donner son sang
qui est de rester. Une personne peut donner jusqu'à combien de poches? Une personne qui va donner son sang. Bon, le don de sang, c'est en fonction du poids. D'accord. En fonction du poids, il faut que tu aies plus de 50 kilos. Il faut que tu aies... Ça, on rentre dans les critères. Les critères du don de sang, il faut avoir 18, entre 18 ans et 60. Mais on, maintenant, c'est à 60 ans, la personne est jeune. Donc, on peut aller jusqu'à même 70. Et surtout par rapport à certains groupes rares. Le rhésus négatif, on ne peut pas le trouver. Donc, tu es obligé d'aller au-delà. Donc, bon, il faut avoir le poids. Il ne faut pas avoir aussi des maladies chroniques, par exemple l'hypertension, le diabète, l'épilepsie, tout ça, ça t'exclut du don. Donc nous, on a une fiche en français et en anglais, en français et en arabe plutôt, je m'excuse. Bon, pour ceux qui lisent l'arabe, le français, il n'y a pas de problème, mais pour les autres, on essaie de traduire. Donc c'est une fiche de consentement où on te dit voilà ce qu'il faut et on te fait peser. C'est très important de prendre la tension artérielle. Parce que tu risques de prendre un hypertendu ou bien hypotendu et c'est pas, ça exclut du don. Donc tout ça, on vérifie. Entre-temps, on avait un appareil HémoQ où on prenait l'hémoglobine. On teste l'hémoglobine d'abord. Quand chez l'homme, on dit qu'il faut qu'il ait 11 grammes d'hémoglobine, sur la femme 12 grammes d'hémoglobine à cause de ses besoins de masturbation et tout ça pour donner. Mais nous, quand on voit quelqu'un qui vient faire le don, dès qu'on te voit même à travers les fanères, par exemple, si tu n'es pas pâle, on peut savoir que tu n'es pas anémie. Mais quand on se rend compte que tu es anémie, et dans les questionnaires, il y a aussi, est-ce que tu n'as pas fait un paludisme dans la semaine passée et tout ça, si c'est ça, on t'exclut du don. Donc, il y a quelques critères qu'il faut respecter pour faire le don. D'accord, Madame Souraya. Alors, avez-vous une ou deux anecdotes à partager avec nous concernant votre travail à la Banque de sang? Les situations bizarres que vous avez rencontrées. Les anecdotes, il y en a tellement. Bon, je me rappelle, c'était avant, en 2019, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était venu. Bon, c'était sa femme qui a accouché. Donc, je lui ai demandé d'aller appeler les parents. Il me dit qu'ils n'ont pas de parents en N'Djamena. J'ai dit non, ça m'étonne. Donc, je lui ai dit, bon, s'il n'y a pas de parents, est-ce que vous ne pouvez pas donner? Il me dit, si c'est ça, elle n'a qu'à mourir. Ce jour, j'étais écœurée. Je me suis vraiment retenue pour ne pas aller peut-être... Mais même si je m'en vais vers la dame pour lui dire, voilà, de ne pas retourner, peut-être que... C'est si tu n'arrives pas à te prendre en charge, tu es obligé de subir. Donc peut-être qu'elle va refouler ce que je vais lui demander. Mais c'est une situation qui m'a mis vraiment... Parce que je me vois à la place de la dame, je vois mes enfants, je vois mes... ainsi de suite. Donc c'est des situations qui arrivent où même le mari refuse. Et je peux donner aussi un exemple où... Ça, c'est le délégué sanitaire d'Abéché. Il était là. Il y avait une urgence où il devait prendre la dame au bloc et il y avait un besoin crucial de sang. Et même la maman de la dame a refusé de donner du sang à sa fille. Ce jour, il me dit qu'il a pleuré. Donc, ce genre de situation, il y en a. Mais on arrive toujours à jongler pour vraiment satisfaire le besoin. Puisque donner son sang, c'est un grand geste humain et c'est un geste qui sauve la vie, aujourd'hui, on vous donne l'opportunité à travers l'émission de lancer un appel à tous les Tchadiens de venir donner leur sang et ne pas attendre seulement la journée internationale de don de sang pour le faire, mais de venir le faire. Quel serait votre message? Merci. Bon, surtout que je vois, il y a plein de jeunes qui sont là. Et c'est ces jeunes, cette tranche d'âge-là qui est vraiment ciblée pour ce don de sang. Donc, je lance un appel à tous ceux qui sont là, tous les Tchadiens, toute l'humanité, si je peux dire, parce qu'il n'y a pas un sang chinois, il n'y a pas un sang américain. Et au Tchad, on a plusieurs nationalités parmi nous. Donc le besoin, s'il y a un besoin, c'est tout le monde. Et le sang n'a pas de couleur, que ce soit chrétien, musulman, que ce soit noir, jaune, c'est le même sang. Donc je demande vraiment à tout un chacun
de prendre son courage à deux mains pour venir vraiment sauver des vies. Parce que moi, je me dis que le don de sang, si on peut le dire, il y a des gens aujourd'hui, tu leur dis qu'ils construisent des mosquées, une église, ils sont prêts. Mais donner le sang, on peut le dire, ça ne sert à rien. C'est la même chose. Et moi, je me dis que le sang, même si on ne le donne pas, dans 3 mois, ça sera séquestré par la rate. Et donc, autant donner. Et ça permet aussi de régénérer les cellules. Même celui qui donne le sang, je pense que ça permettra aussi de renforcer l'immunité. Et moi, j'aimerais que cette partie, s'il y a une possibilité, que vous nous expliquiez ça en arabe. Parce que nous avons entendu que nous avons tous les 3 jours. لازم يعني فهمتي انا الدم ده جاي سيكستري هو ما جاي ينفع كان انت كل ما جاي خير كان انت كل ما جاي خير في جسمه هو كشيء ما جاي ينقص منه سيت بارتي لا كان تقدر تسبليكي لنا كيف خلاص جو فير ان فرع بون نادم كي كان ان شاء الله ما انت دم كله بعد 3 شهر ده هو ده الاورجانيزم ده مع الجسم ده مثل ماشين الجلوبين روش البيجو خلاص أجايزة الرات هو الرات اسمع شنو ذات عشان سيبا عندك شغلة في الدم ام دمام دونك خلاص كلك بيكسكسري وخلاص بودو في الام دمام دونك ما لم نعرف ما ينتي وهو الانتين الدم ده مم لس للزول البنتين كلها لإيمينيتي حقا ça protège de toutes les maladies parce que tout ce qui va régénérer va être encore plus fort. Ziyadega. Donc, les dixièmes à ta samé, ou alium nas ou hadin, indim 16 grammes, 18 grammes d'hémoglobine, ou indim vertige. C'est vertige là. Donc, là, c'est dû le fait que l'hémoglobine est très élevée. Et quand tu donnes. Nous, on appelle ça saigner. Nous, quand j'ai fait cadre, on a fait des soleils saignés. Donc, on prend 300 mg ou 250 mg pour te libérer. Et sur le champ, la personne te dit que khalas, wajaras namaindi. Donc, c'est aussi thérapeutique. C'est pas, en plus de l'hassanat talgada, c'est aussi thérapeutique. Donc, je me dis qu'il faut communiquer. La communication, là, c'est ça que. Au niveau du chat, nous-mêmes, on le sait, parce que la subvention ne nous permet pas de faire cette communication. Parce que quand on communique, moi, je me dis que nous avons fait un peu de temps pour nous. Donc, avec le temps, on va communiquer et la communication, là, d'ici, moi, je me dis, si on est en vie d'ici 2024, peut-être qu'on va se retrouver et qu'on serait peut-être à 80% de donneurs volontaires. Ça, c'est mon souhait. Alors, autre registre, vous voulez... Même le petit mil, c'est très riche en fer. Moi, on coule peut-être, je ne sais pas, ceux qui sont partis au Soudan, quand on a dit que les gens qui sont partis au Soudan, tout ça, c'est parce que c'est riche en fer, il n'y a pas autre chose. Et le Assadam, il y a plusieurs composants qui rentrent. Il y a le fer, il y a d'autres, il y a l'albumine, il y a beaucoup de choses. Quand l'alimentation en acte normale, c'est très riche. Donc, ce qui fait que tout le monde a dit que c'est pas ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est déjà suffisant. Je ne sais pas. C'était de la graisse, parce qu'ils avaient 8 grammes d'hémoglobine. C'est même en deçà de la normale. Le poids d'un chic ou tout d'un chic, le dame. En 5 minutes de poche, il y a
alors que dagal inde plus de sang da une tous ce que dans mon tahtir tu sois tu en train de coaguler ça met assez de temps donc on peut pas dire que à chaque dernier go de semaine inde non c'est pas ça. Exemple parfait, avec mon poids plume, je suis donneuse volontaire et j'ai ma carte. Oui, comme tout le temps, je le fais. Alors, autre registre avant de clôturer avec vous, Madame Soraya, vous êtes très occupée par le travail. Comment vous faites pour concilier votre vie professionnelle et vie privée? Je suis organisée et je suis comprise par mon époux et mes enfants qui me comprennent. Parce que moi, quand je sors, je sais que je dois aller au synthèse, je travaille dans une clinique de la place. Je dois aller là-bas avant de venir à la maison. Donc, je planifie tout. Tout, je planifie. Je suis là au bureau, à travers le téléphone, je coordonne les choses, voilà. Et quand je viens, je m'occupe de mon foyer. Mesdames, vous l'aurez compris, hein, tout est question d'organisation. Merci beaucoup à Madame Soraya d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Yasmine, oui, Adam. Nous allons marquer une pause avant de revenir. C'est bien ça, la production. C'est une pause musicale, chers téléspectateurs d'Eau Positive. Hein. C'est un jeune artiste avec une passion pour la musique. Il est très actif à travers plusieurs compétitions musicales au Tchad et ainsi qu'à l'étranger. Accueillons ensemble, qui va venir nous chanter, hein, un tube de Talino Manou, Alafi François Agnar Agon. Il va nous chanter Daman de Talino Manou. Nek awa noli Toro kuliambo daman Nek awa noli Toro kuliambo daman Awila me bid makai kiro Awila me bid banji makubu Kula riba bewa 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 Dama Kayale indolo Dama Kayale indolo Dama Ayo si zame
Merci. Merci à Alafi François, dans Aragon, de d'Amande de Talino Mano. Bravo aussi à la Positive Band. Et Yasmine, nous sommes presque à la fin. Il nous manque que voilà, le dernier maillon pour faire le tableau complet. Oui. Damsara, salam alaik. Alaykoum assalam. Alors, chaque fois, on demande à Damsara, Khalita Hadjilena, fils sujet qui. On lui a fait aussi une fois une surprise ici, mais sans toujours savoir qui est Damsara. Parce qu'on la voit, elle connaît presque nos invités sur le plateau, ils ont plein d'anecdotes, tout le temps, certaines même, tout à l'heure, Mme Zara a dit, il faut demander à Damsara, elle va confirmer ça ou ceci. On a eu plusieurs invités comme ça passer sur ce plateau, mais intimement, il faut qu'il y ait exactement. Peut-être aujourd'hui, on pourra savoir qui est Damsara. Ou bien, Djama. J'ai raison, n'est-ce pas? Parce qu'on voudrait savoir qui est cette dame-là aujourd'hui, mashallah, qui nous donne des conseils tout le temps, qui est très appréciée par tout le monde et qui connaît presque tous nos invités. Je ne suis pas une invitée, je suis la chroniqueuse. Mais peut-être à partir de mon mariage, brièvement, fichoul talata. ولا أربعة كي عونوني في حياتي كي لما نديد اليوم خلاص مرة كبيرة بإيالي وديكويني لا à partir de ça je vais parler très brièvement نهدي بكلام عرب بس toujours d'accord اليوم كنا مرة واحدة من السنغال نادتني قال الله ليك هدي لنا en français parce que on regarde au positif mais كل malheureusement ما نقدر alors trois filles. أول كي أبوي الله يغفر له ويرحمه بالجنة مش الأنباء كالمريا شقيكي ونتي برما 1986 لجان فوقه أنا ما أخبره وقال زواج لي قرآني برما ستي كالكو شوز كماشي كي بمداغرة بالهن كي خلاص لافيقا يمشوتوني رفقاتي معي سا alas abuyi naadani rassal galam shunaadu wa halita jili ana jid jamaatande yantuni kaadu wala shokhol waayke jid ligi ta tanta gidol awin bagir mechinen gaya jino abuyi gaya jambu wa khalas ratan lombe kalam bagir me gallum kalamin uru kura uru le bine ichif tarjumula hay deki ke baba gala an yu uru ki awin da bas kalami ya bine ichi allah yuaddi ke bet ki be afi wa Allah yanci ki zuriya salha da kuma apre ga itro traduire le be kalam araba waran be kalam bagirme amma na kam mashe ci betki wa haracci ma rajil kida be ci wasi tayara ku dalli fogada gambi ta'ali amma na kam haracci ma a rajil kida wala ana hay wala mayit ana ma musami le be ci ma teji hay baba wakan harajoni ko en tout cas il ne disait plus rien karapta tanta gidolda wakan harajoni wakan dawosoni mana harijumwa mani dawisumwada alas mahajole sheibatan gabal jidle kamulule mushata gidajete kase marwa wala narfa mariage de batan ki kef wala narfa nurile rafaga ci umma mal gammu be kam mashechi da umma takhassidi wa quran siyad al kalam wa inti kulke C'est comme ça que progressivement, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans les facteurs à Kalam Abouida, à chaque fois, je suis venu à Kalam, j'ai apprécié les chiffres de qualité, les chiffres de la semi fogum. Alors progressivement, je suis venu à Kalam, j'ai deux enfants. Alors, je suis venu à un grand frère. Simayana Michel Ambakir ke Simaya da ashe marag min beci Abu Yali musafir marag min beci ma chauffeur jid ni shila akhti wadi nam shuma sawa bakana na vey an Simaya da fillel halas hamati Allah yarhama bi janna grand sir ana Abu Yali ki jaye fayte shafat al wajir salata chauffeur into gat so shunu hini wakida Abu ku kun musafir da kala jibta madam hini halas rijanni ana marag galat lebe kashara ke gal inci rajil ki mafi o baki dama shewen
كل تاع بني أنا أخوي بس سمع أنا عم باكر وماشين خمير إلى وكي خلاص أوقات لي سيسي خلاص ندورنا أوي لا نسي ما كلام ولا نهار جماعة ولا نداوي اسمع ترك فكرت كلام أوي لا على إلى دموي بس غير دفي كي أختي كل مرة من داخل ركبنا في فواتير ماشين أنا كي كان هسه نفسي هذا مش ضعيفة كي جد بيت دفي الليل ما نقدر منه إلا قلبي لي يكلم بس نقوم نمشي لا في بيتها ولا نفكر كلام أبوي ده نكي كده خلال عندنا سبتي خلت لي أبو إيالي تريدني مرة وايد الله يرحمها بالجنة وسمعها جدني تريدني مرة وايد تدي فاندر أنا في أي شيء هلا قمت ما شاء الله يا لابنا دو خلت أنا كنا نقولها خلت 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 داكو فاتمي داكو شغل اللي جاني داكو شغل صوت لي أنا ما سيت شيء جسي ديتر إكزامبلير هلا المرة سكتت ما قد هاجي دابتو تدي فاندر أنا سكتت كده هلا أنا كل سكت قالت لي كيف ده كله ما سميت ده تبيني كي كيف هاي يا الله قولك كيف ده دوزيام فيدا وده كله ما سميت قال زيارة مين ده كله تسميه خلاص المرة فرواجي مرة واي ده دوزيام اتاب هجي جي كونتوني يا الله نسمع شنو بطان زيارة مين ده يا الله شنو بطان الشيفة في فوايه زيارة مين ده بطان مش الكي كي 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 خلا ماشي J'ai commencé à vraiment apprécier ma belle famille. J'ai commencé à les apprécier. Ils m'apprécient. Et jusqu'à Abu Yalimat. Abu Yalimat, dans ma vie, à dunya tukulu khalas shagla blé. Wa min Abu Yalimat kulu دخل خبيبي ومراك و je profite de l'occasion de remercier grande sœur Hagi دخلت ميسا وخبيبي ومراك من ابو يالي مات من premier jour jusqu'au dernier jour regardet مي داخل je profite فاتمة كلام الله je voudrais la remercier ومن دا مراك دا c'était une autre vie و l'autre étape دا كمان أمي الله يرحمها بالجنة وطلع أميني سيكي كيف وتم تويل وإيال دوغاك قالت ليكي أقودي بس إيالكي يمشو كي ويجي يقول ليكي في صدركي بس يقبرو إيال دوغاك كده يقبرو كي كيف أمي قال كي بس يقبرو يقول ليكي في صدركي بس يقبرو فكرت كلام هذا ترو بروفان كله هميل تقات يالي كان مرغو كان غاية لابو كن نمشي نقول نشيفهم كان راقو كده يجي يقول ليكي في صدري مش الوراتة يقبلو يقول لي في صدرك عليهم بيقو ناس بيقو أبين وبيقو رجال وشغل ثلاثة ده بس أواناني و je suis devenu ce que je suis بزيني بشيني كل شغل إتاب الثلاثة ده بس في حياتي أواناني ونقول لبناتنا اليوم شولوا الصبر في الفواي والنصبان ده الله بس بلومكم مام الأخير بس تجيب الأهالي وناس من أخذته خلاص بقولتوا نصبان ده إلا تجور شوفوا بون كوتي هنا نصبان كو كان ما أدلين كله الدلوم لا يبقوا أدلين ومرسي بكم Merci beaucoup. Merci à Dame Sarra pour cette leçon de vie. Yasmine, nous sommes arrivés à terme de ce numéro. Mesdames et messieurs, chers publics, merci une fois de plus d'avoir été patient, de suivre bout en bout ce numéro qui, à travers nos invités, nous les remercions encore une fois de plus. Monsieur Omar, Madame Leila, Madame Zara, Madame Soraya, Dame Sarra, merci à vous d'illuminer ce plateau. Chers publics, merci à vous aussi. Yasmine? Comme d'habitude, mesdames et messieurs, on ne va pas se séparer sans danser au rythme du générique de fin. Alors, je vais vous inviter tous à vous mettre debout et on se dit à bientôt. À bientôt. Dari alas iri fu halata, ini dora dari abgamishi berufugani, gabulu lehi huri e hanadari, dari e
Daria da helu helu, ya bulu lei uri e hanada.